Lecture d'adolescence. Monsieur Cabrel, avez-vous lu Colette dans votre jeunesse? Oui, j'ai lu Colette, oui. J'ai colorié aussi sur les bouquins de Colette. Colorié. Ouais. Moi, je me souviens d'un bouquin qui s'appelait L'ingénue libertine. Vous dites quelque chose? Non, rien du tout. Ah bon, alors, bon, on va écouter une chanson, mais là, j'ai l'impression qu'elle est plus libertine qu'ingénue. Ah, je sais pas, je la connais pas. Si, Mylène Farmer, Libertine. Mylène Farmer, quelle santé tout de même, hein. Je veux dire, il faut de l'entraînement pour faire ça, mon ami. Bah disons, moi je me sens pas du tout capable de danser comme ça, ma femme. Ah, il faudrait essayer pour parce être sur scène. Parce qu'elle est beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Il y a un album de Mylène Farmer qui est sorti il y a quelques semaines, c'est un album qu'il faut découvrir, qu'il faut réécouter, c'est pas un album qu'on peut épuiser comme ça en quelques secondes. C'est voulu cette idée de divers univers qui se retrouvent dans l'album. Je sais pas, moi j'attache beaucoup d'importance à l'image. Si j'avais pu, sur cet album, j'aurais à chaque fois apporté un vidéoclip, puisque c'est ça, c'est la démarche promotionnelle, et si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps, que ça demande beaucoup de moyens, donc on a tout porté sur Libertine, et que le prochain, on va aussi faire une vidéo. Voilà, alors je vous invite à découvrir un jour l'univers de Mylène Farmer, au-delà de Libertine, je dirais. Et puis maintenant, on va rentrer complètement dans l'univers de Francis Cabrel avec une superbe chanson. Il est accompagné par Jean-Pierre Bucolo à la guitare. Ça s'appelle « La fille qui m'accompagne », Francis Cabrel.